Lorsque le Seigneur Jésus mourait à la croix, il y avait deux brigands à côté. Mais le prophète dit que l'autre brigand, c'était un croyant. Et nous allons voir pourquoi le prophète dit ça. On avait posé la question à Frère Branham d'expliquer Luc chapitre 17, verset 37, où sera le corps, là s'assembleront des aigles. Frère Branham dit que devant le corps, la nature de l'oiseau se manifeste. Devant le corps, on peut identifier la nature de l'oiseau. Or le corps représente la parole, la chair des fils de l'homme, les aigles de Dieu ne se nourrissent pas de n'importe quoi. Les aigles de Dieu mangent la viande fraîche, la nourriture spirituelle au temps convenable. En d'autres termes, vis-à-vis de la parole de Dieu, on peut identifier le comportement des vains croyants. Voilà pourquoi un véritable croyant ne se réjouit pas des choses du monde, mais la fête pour les croyants, c'est autour de la parole. C'est pour cela, devant la parole, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de chef. Devant la parole, nous sommes tous les fils et les filles de Dieu. Je me rappelle de David lorsqu'il a vu l'arche de l'alliance en train de revenir. David a oublié qu'il était roi. Il a commencé à danser parce que devant la parole, la nature de l'oiseau doit se manifester. Un véritable enfant de Dieu, sa joie, c'est autour de la parole. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Parce que Frère Branham dit que les esprits ne meurent pas. Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Le diable retire son homme, jamais son esprit. Les mêmes esprits qui ont agi hier, les mêmes esprits agissent jusqu'à aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens disent, si j'avais vécu à l'époque de Jésus, j'allais être du côté de la parole, j'allais soutenir la parole. Mais ce que tu fais aujourd'hui démontre exactement de quel côté tu allais être. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole? Écoutez ce que le prophète dit. Qu'êtes-vous allé voir? Prêcher le 1er octobre 59. Qu'êtes-vous allé voir? Le 1er octobre 59. Paragraphe 17. Jean à son temps était considéré par le monde comme un homme sauvage. Il était à moitié nu, enveloppé d'une peau de brebis. Son visage était couvert d'une barbe laineuse. Probablement que ses cheveux étaient ressortis de côté. Ah, solo, suki na epe bimakia wana mopanzi. Et le juste pour le monde. Be, motona bo sembo pona mokili. Les gens du monde. Bato ya mokili.
Il était un homme sauvage. Nous les taxerions des fous. Juste un vieux solitaire vivant au désert. Pour l'église. Étant donné qu'il prêchait. Il était un fanatique. L'église a dit. Cet homme est carrément un fanatique religieux. Écoutez la suite. S'il avait vécu de nos jours aujourd'hui, on ne l'aurait pas considéré autrement qu'il était à l'époque. Parce que le monde ne change pas. Les gens viennent et les nouvelles générations s'élèvent. Mais